Hello tout le monde, je profite du beau soleil pour enchaîner quelques petites vidéos parce que j'ai encore une fois pas mal de retard, surtout sur, enfin une partie des produits que je vais vous montrer maintenant. Ça fait un moment, j'ai laissé accumuler parce qu'en plus ce sont des produits que je vais pas acheter toutes les semaines, 15 jours, mois, parce que voilà. Mais je voulais quand même parler de des petites choses et vous les montrer aussi, bah pourquoi pas, voilà. Donc c'est parti. Il s'agit d'un haul de chez MAC. Ah, pour une fois j'ai fait un haul. Non, non, je n'ai pas vidé le compte pour aller acheter. Non, c'est juste que j'ai même des choses qui datent de décembre 2017. Ouais, j'ai honte. Et je vais commencer tout de suite par un kit. Par le kit de fin d'année. Pour vous montrer aussi, je sais ce qu'on va me répondre, mais tu aurais pu nous montrer ça avant pour qu'on en profite pour les fins d'année ou quoi. Oui, je sais, mais j'en ai d'abord acheté un. Et puis j'en ai acheté un deuxième, c'était pratiquement nouvel an. C'était pas déjà janvier, début janvier le deuxième. Je crois qu'il en restait encore. Je crois que c'est ça en fait, j'étais pas partie pour en acheter un ou deux en décembre. Et pour vous les montrer, donc c'est pour ça que je me suis dit... Pff, voilà. Donc, j'ai acheté ce kit. Parce que surtout, ça a plu à mon mari. Je sais même plus le prix. Et je préfère l'avoir oublié. C'est un kit avec une petite pochette comme ceci, qui est vraiment très mignonne. Donc, c'est cool, c'est toujours pratique. Surtout les petites pochettes comme ça, pour mettre dans le sac, etc. Pour ranger. Donc, c'est un kit avec... un highlighter, j'ai eu le pinceau avec, qui est un 140 SES apparemment, c'est ce qui est noté dessus, qui est un gros comme ça. Enfin, il est petit le manche, mais la touffe, enfin, la tête, elle est grosse. Donc voilà, je pense que c'est très bien pour voir ça, même pour peut-être piquer du blush, je ne sais pas. Bref, il est tout doux et bah, au prix des pinceaux de chez MAC. Fait très bien le boulot comme on dit. Et alors la bête, l'highlighter, j'adore le packaging. Alors ça ressort pas à la caméra je crois, mais il est bien écrit MAC dessus. Et c'est le Show Gold Extra Dimension Skin Finish, donc c'est la poudre de lumière. Et je crois qu'il y en avait deux, il me semble qu'il y en avait deux, et donc moi c'est celle-ci. C'est juste magnifique. Franchement, c'est pas... Voilà, c'est pas... Ça sort pas fort, c'est pas extravagant. Comme on pourrait croire, les blushs là qui font genre toute la facette. Mais il est canon. Donc je regrette pas, je vais prendre soin comme on dit, mais voilà. J'ai également acheté, donc c'est un... Ils appellent ça un eyeliner longue tenue. Un crayon noir. J'en ai encore jamais... Juste le crayon noir, le tout simple, le basique en fait, enfin un basique pour moi. Et j'en ai acheté un qui est encore dans sa boîte parce que voilà. Donc bah, qui se présente comme ça, hein. C'est un crayon noir quoi, voilà. Tout simple, Black Ice Prolong Wear Eyeliner. Donc nous verrons bien. Parce que moi ce que je voulais c'était un pour me mettre dans la muqueuse aussi. Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, je testerai. Ma foi, nous verrons bien. J'en profite pour remettre directement dans le sac, comme ça après j'ai plus les ranger. J'ai aussi, alors ça, c'est même pas moi qui voulais, c'est monsieur qui me l'a pris, enfin qui m'a dit prends-le. C'est, j'ai envie de dire, je crois que c'est plus toute nouvelle maintenant, mais c'était la toute nouvelle palette de blush, d'highlighter, voilà. Et ça, je l'ai présenté pratiquement directement sur Instagram pour celles qui me suivent. Donc il se présente comme ça, j'ai perdu le petit papier où c'est le flash. Plus Away, AWE, le Rosy Glow et le Light of the Party. Donc j'ai déjà bien entendu utilisé. Voilà, ils se présentent comme ça et ils sont magnifiques. Alors, comme j'ai le soleil en pleine poire et que c'est assez, enfin, discret, ils sont beaux, mais c'est pas des trucs, bah, on voit presque pas, mais tout va bien. Et ça, c'était 39 euros. Ça, je me rappelle, 39 euros quand même. Bon, après, je pense, je crois que c'était au moins 40 euros juste pour le l'highlighter tout seul.
Donc là, disons que j'en ai 3, plus ou moins pour le prix d'un. On va se dire ça, qu'on fait une petite affaire par rapport au prix d'un seul produit. Voilà. J'ai aussi acheté ça, je l'ai également partagé sur Instagram. D'ailleurs, je crois qu'il y en a des nouveaux qui sont en train de sortir avec un effet nacre comme ça, donc qui ferait un petit effet glowy, je pense. C'est le Fix Plus et ils en ont sorti 3 ou 4. En plus, je crois que c'est 3. Lavande. Mais non. Oh, je ne sais plus. Je me souviens que de lavande et noix de coco, celui que j'ai pris. Mais il y en avait encore d'autres. Bref. Donc il est jaunâtre comme ça. Voilà. Donc ça, la noix de coco. Et puis, bon, c'est vrai que j'en ai encore un, mais voilà, c'est un produit que j'utilise régulièrement. Très régulièrement. Donc ça va et c'est 17,50 € je crois, un truc comme ça. Voilà, et encore, je suis sûre que si on se renseigne avec ceux de Too Faced, je crois, etc., ils seraient peut-être même encore plus chers, cette marque-là. Donc moi, je préfère encore acheter un Mac. Un autre kit, je crois que j'ai même bourré d'autres produits dedans pour ranger, mais bon. Le Noël, et je crois que c'est celui-ci que j'ai acheté en janvier. Bon, je pouvais pas faire la vidéo dont j'ai parlé, avec un petit accessoire comme ça. Elle est vraiment chouette aussi, celle-ci, elle est très belle. Ah, voilà, la preuve, j'ai encore mis autre chose dedans. Je vous montrerai après. J'ai eu dedans 3 produits, donc ça revient aussi moins cher. C'est ça que je voulais dire, enfin que je voulais dire, que je voulais partager avec vous quand il y a des kits comme ça. Nix, oh là là, ma grosse bourre, je vais me faire taper par Mac. Donc des kits comme ça, Mac, ça revient moins cher. Je crois que c'était, mais c'était 50 € celle-ci parce que c'était avec ça, évidemment, je l'ai rangé. Que j'ai reçu justement, c'était oui, au début janvier ou fin décembre. Ça peut pas être fin décembre parce que fin décembre on n'était pas en Belgique. Enfin, si on est rentré le 25, mais on n'est pas, on n'est plus pas parti après le dernier jour. Je sais même plus. Bref, passons. En fait, c'était donc 50 € d'achat Mac. Vous aviez un rouge à lèvres offert, et donc bah, j'ai profité d'un kit qui, je pense, revient quand même moins cher. Il faudrait que je voie, je connais pas tous les prix. Plus ou moins similaire qu'acheter les produits séparément. Et j'ai eu un rouge à lèvres qui valait une 20aine d'euros parce que c'est pas ceux d'habitude. Évidemment, je l'ai pas, donc j'essaierai de montrer une photo. Donc en soi, même pour 50 € bah disons que j'ai payé 50 € au lieu de 70, 75. C'est toujours pas mal. Je trouve que Mac, ces derniers mois, je sais pas si c'est essayé, mais en tout cas, je trouve qu'ils font en sorte que n'importe quel budget, bon, n'abusons pas, mais que même un petit budget puisse se permettre quelque chose. C'est-à-dire qu'ici, bah, le dernier achat que j'ai fait Mac, qu'on peut trouver sur mon Instagram, c'était à l'achat d'un rouge à lèvres, n'importe lequel, vous aviez un crayon à lèvres offert. Il faut savoir que le crayon à lèvres, si je me rappelle bien, coûte 17-18 €. Un petit peu moins de 20 €. C'est toujours sympa si vous achetez le simple rouge à lèvres à 19,50 €. Bah, au lieu d'avoir payé 35 € un truc comme ça, près de 40, vous n'en payez que 19,50 €. C'est toujours sympa. Ça fait plaisir. Moi, je me dis qu'à ce train-là, ça revient à peine 10 € par produit. Je vais arrondir à 20 €. Donc 10 € le rouge à lèvres, 10 € le crayon. Ce sont des prix, plus ou moins, ça dépend où vous allez, mais vous allez chercher bah, du L'Oréal. C'est 10, 15 €, 12 € je crois, un rouge à lèvres déjà rien que ça. Donc bon, voilà, quand il n'y a pas des promos chez Yves Rocher par exemple, le rouge à lèvres est pratiquement au même prix que ceux que chez Mac. Donc je me dis, pourquoi pas? Donc ici, j'arrête le blabla et je vous présente le produit. J'ai un Glaze Gloss, c'est le Ice Time Crystal en 12 ml. Donc il est énorme. J'ai même pas encore ouvert parce que je sais pas s'il y a une protection ou pas. Et j'ai pas envie de l'ouvrir maintenant, donc je le laisse ainsi. Mais il a plein de petites paillettes. Effet, je crois que c'est scarabée qu'on appelle ça. Je ne sais plus, voilà. J'espère que vous pourrez voir les effets, je trouve ça super joli. J'ai un fard à paupières qui est le Feminine Wireless Fold, donc fard à eyeshadow,
qui est un fard à paupières irisé. Comme ça. C'est un gros fard à paupières en plus. Donc, plus gros que ceux de les petits qui coûtent. Je sais plus combien, 20 euros je crois, un truc comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai plus acheté. Parce que je préfère acheter des grandes palettes. Et j'avoue, c'est pas chez Mac que je voulais faire, ça va me coûter un bras. Voilà. Mais ils sont plus gros. Pour celles qui connaissent, franchement, ils sont plus gros. On dirait presque, en étant un peu plus petit, mais on dirait la taille d'un petit bleuche. Voilà. Et j'ai aussi eu un Daisle Liner. Voilà. En teinte Feel Like Dancing. Donc un mauve très foncé avec des paillettes, mais assez foncé aussi. Voilà, je crois qu'on voit que dalle. Mais je trouve super beau. J'ai pas encore essayé parce que j'en ai d'autres et j'avoue, ce sont des produits MAC, donc j'ai pas envie de tout ouvrir et de devoir tout jeter dans pas longtemps entre guillemets parce que la date sera dépassée. Non, je les tiens. J'essaie de les tenir. J'ai aussi acheté, voilà, ça, je crois que c'est même avant les kits, donc c'est pour dire que j'ai accumulé pas mal de choses en plusieurs mois. Mais ça, c'est de collection permanente. Donc, vous pourrez le retrouver. C'est un lustre glace, un gloss, ouais, un gloss, qui est le Fluster Rose, ouais, un gloss. Donc il se présente comme ça. Alors j'ai voulu en racheter un. Pourquoi un Mac? Parce que j'en mets tellement peu, oui, je sais pas. J'ai eu envie pour mettre une petite touche ou essayer de faire un petit peu glossy au cœur, au centre de la bouche. Voilà. C'est juste pour ça, parce qu'après je n'en rachèterai pas. Parce que je n'aime pas les gloss. Donc pour faire un petit truc comme ça, oui, mais je ne vais pas aller en racheter d'autres. Et ici, le Rétromat. Voilà, il me faut le deuxième. Il me faut le deuxième. Je reviens, il est sur ma table. C'est génial. Hop. Voilà, justement. Encore une promo qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Quoique, je sais pas. En fait, à l'achat d'un rétro mat liquide, donc lip color, donc une laque à lèvres, vous en receviez un gratuitement. Par contre, il n'y en avait qu'un. On ne pouvait pas choisir. Moi, ici, j'ai pris le rétro liquide, le Dance With Me, qui se présente comme ça. Voilà. Et j'ai reçu, tu vois, franchement, j'aime beaucoup le Simply Smoked. Voilà. Donc ça coûte 25 euros et j'en ai eu un deuxième. Donc j'en ai eu deux pour le prix d'un. Franchement, même si on a un budget un petit peu plus restreint, même si on n'achète pas un autre produit, admettons ou quoi, mais qu'on a envie de quelque chose de Mac, voilà, quand il y a une promo comme ça, deux produits pour le prix d'un. Enfin, 25 euros, après c'est deux produits pour le prix d'un, 50 euros. J'irai quand même pas, je crois, malgré tout, parce que voilà. Mais je pense que c'est le maximum que je donnerais pour un petit produit à lèvres. 25 euros, je crois que c'est très, très, très bien. Donc voilà, c'est ça que je dis. Je trouve que ces derniers mois, ces derniers temps, MAC fait de chouettes promos. Est-ce que c'est pour essayer d'attirer des clients qui auraient bah, justement un budget un peu plus petit, mais qui ont envie de se faire plaisir et en te disant, tiens, bah, t'en as un deuxième gratuit? Ça donne envie. Après, chacun son truc, hein. Ils font comme ils veulent, c'est du business, voilà. Business is business, comme on dit. Ton but est de perdurer en tant que marque et de vendre et pas de fermer au bout de 6 mois, 1 an, 10 ans. Donc forcément, il faut toujours essayer d'attirer le client. Alors ici, ça c'est le premier kit que j'ai acheté. Donc pour la fin d'année. Voilà, c'est la preuve, voilà, j'en ai eu un autre, j'étais pas sûre, c'était déjà en fin d'année, donc je me suis dit, bah, il restait déjà plus grand chose au moment où j'ai pris celui avec l'highlighter, donc je me suis dit que ça valait pas la peine de faire une vidéo, mais bon, c'est un tout petit comme ça, tout petit, 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 et c'est avec trois pigments, non, il n'y en a pas trois, en fait, c'est des glitters, deux pigments et un glitter, et apparemment, c'est vrai que j'ai jamais regardé ces produits-là. Bon, voilà, mais apparemment la vendeuse m'avait dit que ça revenait quand même bien moins cher d'avoir acheté donc le kit qui était à 35-40. C'était quand même moins cher que, enfin, que les autres plus gros. C'est pour ça que j'avais pris, je crois que c'était le moins cher du lot, parce que séparément ça aurait fait quand même plus cher.
Donc voilà, j'avais aussi déjà acheté, mais ça c'était il y a beaucoup plus longtemps, un kit sourcils de chez MAC, un mascara, un gros jumbo à sourcils et le mascara à sourcils pour 30 euros. 30 euros, j'avais fait ma petite enquête, enfin, j'avais regardé, deux produits me faisaient déjà 60 euros, je crois. Donc franchement, j'ai sauté sur l'affaire. Et si pour terminer, donc justement avec la fameuse promo du rouge à lèvres plus le crayon gratuit, j'en ai profité. J'ai acheté le Burnt Violet, qui est le Lipton City Lipstick. Donc c'est un autre modèle. C'est un comme ça. Et donc en fait, celui que j'ai reçu avec le kit, donc à 50 euros, c'est un modèle comme ça, sauf qu'il est tout noir, un petit peu métallique, mais c'est pas, il n'y a pas la couleur ici, et c'est un rouge sang. Voilà, donc celui-ci, bah, j'ai déjà ouvert un coup. Ça sent pas mauvais. Donc ouais, évidemment, c'est assez compliqué. Mais bon. Voilà, donc ceux-là sont un petit peu plus chers, c'est vrai. Parce que cette couleur-là qui m'a plu. Dans les rouges à lèvres, je veux dire, ben, basique, j'en ai 8, 6, là, je vois, 6, 8. Et ce sont les teintes que j'aime beaucoup dans les autres. Ben, il y a beaucoup plus de nude. Enfin, dans les autres teintes, c'est beaucoup de nude. J'en ai un, deux, trois même d'ailleurs déjà nude. Voilà, j'ai pas besoin de 50. J'ai aussi d'autres marques. Il y a d'autres couleurs même plus foncées que j'aime bien. Les autres ne m'attirent pas trop. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers l'autre rouge à lèvres qui était plus cher. À la base, j'avais pas pour ça. Même plaisait plus. Donc, je préfère mettre 5 euros de plus et l'utiliser que 5 euros de moins. Et au final, ben, le laisser là juste pour avoir un crayon. C'est stupide. Et j'ai eu. Enfin, j'ai eu. Oui, normalement, je pouvais même choisir la couleur. Enfin, j'avais vu sur le site que, bah, au final, je pouvais choisir n'importe quelle couleur de crayon. Sauf qu'ici, elle m'a donné un crayon ben, qui allait avec pour le contour. Donc, c'est pas très grave. J'aurais bien voulu tester ben, une autre couleur, en profiter pour tester. Mais ben, c'est pas grave. C'est le. Current, enfin, Curant en bon français, qui est un non, crayon à lèvres. Voilà, ah non, le Prolong Wear, c'est pour les yeux. Ça, voilà. Hein. Je sais pas si je sais faire un petit trait, si ça ressort bien, au moins. Voilà, et franchement, bah, voilà. Quand on connaît les prix de chez MAC, avoir un produit gratuit. Voilà, surtout comme j'ai dit, les rouges à lèvres, c'est pas ce qu'il y a forcément plus cher avec celui à 19,50 € de base. Voilà, on se ruine pas trop. Et alors, je me suis acheté une Pro Palette large. En fait, j'ai gardé l'autre carton, mais je l'ai déjà assemblé. Parce qu'en fait, elle vous est vendue séparément. Disons qu'on vous vend la palette dans un emballage. Oh, je m'en sors plus avec mes ongles. Ils sont devenus trop longs. Ça fait 3 semaines que j'ai fait des ongles et mes ongles ont bien poussé. Et j'ai choisi en amande, et en amande en fait c'était des griffes. Je sais pas, sur l'image ça ressortait pas aussi long. Mais au final, je vais devoir bousiller le carton, mais au final je me suis retrouvée, en fait c'était super long. Alors ça va, j'ai géré, mais maintenant 3 semaines après avec la repousse ça devient un petit peu long. Bref, donc en fait on vous vend d'abord, enfin, on vous vend d'abord dans un emballage. Juste le corps de la palette, on va dire, et l'intérieur avec les donc toutes les séparations dans une petite boîte. Pourquoi pas mettre tout dans un seul truc et n'avoir qu'un carton, moins de chipotage, j'en sais rien, mais bref, je crois. Ça, ce sont bonjour à la concurrence, mes Pharnix dedans, parce que j'avais déjà deux petites palettes de 4. Emplacement MAC à 5 euros pièce. Celle-ci m'en a coûté 13, si je ne m'abuse. Et j'ai 3, 6, 9, 12, 15 places. Voilà, pour 13 euros. Donc, ça, je me suis dit, ça vaut le coup. Parce que celle de chez NYX, comme quoi je vais partout et j'achète moi ce qui me plaît vraiment, ce sont des cartonnés. Et j'aime pas trop. Je trouve que ça fait fort cheap ou qu'à la fin les côtés vont plus tenir. Et ici, j'aime bien le fait, en fait, que le dessus est transparent. Donc, je vois tout de suite les fards. C'est-à-dire que si je fais même 3 palettes différentes et que je sais pas trop quoi mettre ou quoi, il me suffit de regarder. Je dois pas ouvrir systématiquement les palettes pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, voilà. C'est pour vous montrer que, oui, certes, sur la longueur.
tout mis ensemble, je me suis ruinée, je n'aurais jamais. Et voilà, tout mis ensemble, en fait, surtout en grosse partie, il y a eu surtout trois achats qui ont été faits parce que j'avais un produit gratuit. Franchement, sinon, j'aurais été, ici la dernière fois, j'aurais été simplement pour la palette. Parce que voilà, ça je voulais, je savais que ça revenait moins cher. Et même en termes de place, ben, je gagnais, voilà. Mais je ne dépenserai jamais tout ça en une seule fois, bien qu'au final, ça revient au même qu'en plusieurs fois. Mais là, je crois que pour l'instant, Mac, ils m'ont eu, c'est bon, ils ont eu assez de sous-sous. Mais je suis quand même super contente de ce que j'ai eu et des promos avec les, enfin, des bonnes affaires. Donc je pense que si vous avez envie de vous acheter du Mac sans trop vous ruiner ou du moins sans que ça vous fasse trop mal aux fesses, hein, on va le dire tel quel, bah attendez de voir les promos ici, ici oui, voilà.